Alors, effectivement, on ouvre les discussions. Comme j'avais dit au début, j'avais proposé que vous notez les questions. Je me tourne d'abord vers la salle. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des curiosités, j'avais averti, si je peux dire comme ça, j'avais informé nos amis de Panaïti Strati, Monsieur Denis Torel et Madame Dana Radler, que vous êtes en fait novice. C'est peut-être la première fois quand vous entendez le nom de cet écrivain, Panaïti Strati, c'est vrai? Non. Non, vous connaissez déjà. Ah, oui, bien. Bon, parfois oui, parfois non. Oui, mais donc toute question est la bienvenue et je vous cède la parole. S'il est nécessaire, peut-être Madame Professeur Thomas m'a va aider parce que pour moi c'est un effort de parler en français. Excusez-moi pour tous les Maintenant, éléments, la prononciation et les oh, c'était autres, très bien. mais je crois que la communication et l'amour pour un écrivain peut dépasser la barrière linguistique. Oui, c'est confirmé de la part du public. Oui, moi j'ai une question pour Madame la professeure. Est-ce que dans votre sélection pour les trois noms, César Pétresse, Poussadovanou et Eliade, parce que vous avez parlé de critères au début, mais je pense que j'avais un peu loupé ça, donc j'ai pas bien capté. En effet, pourquoi votre choix s'est arrêté sur les trois? Parce que vous avez les trois, je pense qu'ils ont un regard assez admiratif pour Strati, ça devait être son ami. César Petrescu, si je ne me trompe pas, était de droite dans une période où Strati floutait un peu. Et après, bien entendu, Eliade, il est connu pour ses sympathies de droite également. Mais en Roumanie, malheureusement, bah, Istrati, il y a encore des spécialistes qui sont des grands noms et qui le regardent comme, on va dire, avec un peu de mépris. Voilà. Vous avez voulu capter surtout l'admiration. Voilà. Quel était le critère pour votre choix pour les trois noms? Il y a des similitudes, mais aussi des différences en ce qui concerne leur âge, leur expérience de l'écriture et celui journalistique. Eliade était au début de son carrière. César Petrescu était connu, mais Sadoveanu était célèbre. Alors, il ne représente une voie, une perspective uniforme. C'est l'âge et l'expérience sont différents. Puis, la dimension de l'article et le nombre des articles, c'est aussi différent. J'ai identifié deux textes seulement jusqu'à maintenant d'Eliade et Suristrati. César Petrescu et Istrati ont échangé des lettres, la même entre Sadoveanu et Istrati. Alors, mais Istrati a une relation peut-être fluctuante. Oui, avec César Petrescu, parce que César Petrescu était aussi présent dans le journal Gândirea,
Alice en français, je ne sais pas, la pensée. La pensée. La pensée. Oui, gândirea a été critiquée par Istrati plusieurs fois. Alors, leur relation est, je peux dire, fluctuante. Et ça devient, je crois, que il n'est pas, il peut-être il est un admirateur de l'écriture et de l'homme, mais il n'a été n-a fost nici împotriva lui Istrati, nici un sprijin extrem de vizibil. Ni pour, ni contre, d'une manière évidente. Donc, alors, je crois que leur relation a été peut-être proche, mais dans le cadre littéraire. L'intimité, Istrati est un ami intime avec peut-être des autres écrivains en France ou en Roumanie. Alors, ça devient, il est mentionné plusieurs fois par Istrati, mais je ne crois que je n'ai observé une étiquette comme l'ami d'Istrati. Sadoveanu a été un écrivain avec qui a connu beaucoup d'écrivains, alors il a commenté, il a écrit sur Istrati aussi. Mais il y a des textes, il y a des documents qui reflètent cette relation. En tout cas, il n'a été contre Istrati au moment quand la campagne, la campagne de Barbus a commencé. C'est un fait, c'est une réalité claire. Il y a beaucoup d'autres personnalités, beaucoup d'autres écrivains, mais dans ma vision, leur différence, l'intérêt pour l'homme est celle qui réunit cet article, ces articles que j'ai présentés. D'accord, merci beaucoup. Oui, merci pour la question. Madame la professeure, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Moi, je ne suis pas une experte de cet écrivain, mais l'année dernière, j'ai organisé à Rome un colloque à l'Accademia Belgica sur l'autobiographie et l'excès. Et donc, une collègue de l'Université de Nice est intervenue sur Istrati et l'excès. Et cet article va sortir prochainement. Donc, c'est la première. J'ai vu l'article, j'ai lu, mais c'est la seule chose que j'ai connue de cet écrivain qui m'a beaucoup intéressée. Et surtout pour des raisons idéologiques, il n'est pas facile de trouver quelqu'un d'aussi authentique qui risque sa condition pour affirmer ses idées. Alors, ma question est la suivante. Tout en étant ignorante de l'œuvre de cet écrivain, dans quelle mesure je me suis demandé le fait d'écrire en français a influencé l'écriture en romaine et combien l'écriture en romaine a pu influencer les écrits en français. Ça, c'est la première question sur la langue. La deuxième... Un moment, je veux... Oui. Alice, si vous pouvez, si tu peux m'aider. Da. Să înțeleg clar. Da, prima întrebare este referitoare la limba pe care o folosește Palaint Istrati atunci când scrie și întrebarea este în ce măsură... E vorba de literatură, de articole ca publicist sau de scrisori intime? C'est la langue de la littérature ou la langue de la correspondance de Panait Istrati? De la littérature, surtout. Le style, enfin, ce qu'il lui a imaginé comme...
limba literaturii. Deci, și întrebarea era în ce măsură s-ar putea afirma că româna lasă urme asupra scrierilor lui Panait Istrat în franceză și viceversa. Franceza lasă urme în scriere, în literatura de expresie română, dacă putem să spunem așa, pentru Panait Istrat. Juste, oui. Toujours sur la langue, il y a les collègues qui ont intervenu en premier, je ne sais pas si c'était les premiers parce que je suis arrivée malheureusement en retard, mais il a parlé de la langue du vagabond. Oui. Et ça, c'est très intéressant et je voudrais comprendre un peu plus qu'est-ce que signifie parler comme un vagabond. Oui, donc Denis Torel, c'est pour vous la deuxième question. Parler comme un vagabond, pourquoi Panait Istrat, on peut écrire, oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui. Je peux parler? Oui, oui, bon, oui. Très bien. Je crois que le texte qui était mis en exergue du concours vagabondage n'est pas un texte fondateur pour Istrati. C'est un texte qu'Istrati a écrit au moment où il en avait vraiment assez d'être écrivain. C'est-à-dire qu'il avait honte d'être écrivain, ça l'énervait, et il avait des contrats où il était obligé d'écrire des livres, et il disait exactement à cette période-là, « Je suis obligé de débiter des pages de littérature et je pourrais aussi bien débiter des saucissons si j'habitais à Arles. » À Arles, il y a des célèbres saucissons. Et donc Istrati était complètement découragé par cette étiquette qu'on lui collait de littérateur, parce qu'il ne s'est jamais senti comme ça. Donc il a fait un texte, c'était les Mémoires d'un vagabond du monde, notes et impressions d'un vagabond du monde, et c'était quelque chose qui disait je n'adhère pas, je ne fais pas partie de cette famille d'écrivains, je ne suis pas, comme on dirait en français, un pisseur de copies. C'est-à-dire, je ne remplis pas du papier pour gagner de l'argent, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas du tout ma façon de vivre et d'écrire. En réalité, Istrati était aussi devant un problème économique, tout simplement, parce qu'Istrati a toujours dépensé l'argent qu'il n'avait pas. Donc, dès qu'il a eu du succès, il a touché des avances sur publication, et dès qu'il avait un petit peu d'argent, il en dépensait beaucoup. Il faisait des dettes et après, il était obligé d'écrire des textes. Et en particulier, après son voyage en Russie, il s'est trouvé dans une situation très, très mauvaise parce qu'en réalité, il devait de l'argent et il devait des textes. Et là, il a fait un texte qui disait « Oh ben, j'en ai assez, moi je ne vais pas me soucier du style, je ne vais pas me soucier de la façon d'écrire, je vais me promener et je vais raconter ce que je vois sur le bord du chemin ». C'était un peu ce que disait Stendhal, finalement, toute proportion gardée. Mais Istrati avait cette idée-là, c'était plutôt une attitude de révolte, en réalité. Et puis Istrati ne fut jamais, à mon avis, un écrivain. Istrati fut un conteur de génie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il avait un style particulier pour capter l'attention en racontant des histoires. Et pas exactement en étant un écrivain qui faisait de la littérature, bien qu'il se soit, comment dirais-je, il se soit amélioré au bout d'une dizaine de livres, mais c'était pas comme ça qu'il fallait le considérer. Istrati, par exemple, je ne sais pas si ça répond un peu à la question, dans Kira Kiralina, il y a un des passages les plus beaux. Lorsque le Stavro et ses compagnons, donc il y a là Michael, il y a là Adrien Zografi, ils passent la nuit dans une auberge et Stavro dit maintenant, mes amis, nous allons dormir parce que demain il fera beau et nous avons encore de la route à faire. Et ils étaient dans une charrette tirée par un cheval. Et ils faisaient très attention à leur cheval. Et la façon dont Istrati raconte ce qui va se passer le lendemain, il écrit
presque exactement, j'espère que je ne le trahis pas, il dit « Demain, nous verrons le soleil se lever droit dans les yeux du cheval. » Et ça, c'est une figure d'une poésie extraordinaire, et ce n'est, je pense que ce n'est pas de la littérature. Il faut avoir couché avec des amis dans une auberge et avoir une charrette tirée par le cheval pour imaginer que c'est le cheval qui donne tous les signes sensibles. Et ça, voilà, je crois que c'est Istrati qui a toujours été un raconteur d'histoire avec des images extraordinaires. Vraiment des images comme ça, je trouve que ce sont des images inouïes. Donc, quand il se révolte en disant « je ne suis pas un écrivain », bon, c'est vrai que c'est un peu pesant d'être un écrivain, parce qu'on est obligé de débiter des pages de littérature, mais il y a aussi qu'il ne s'est jamais senti un écrivain. C'est une contrainte intolérable pour lui, tout simplement. J'espère que j'ai un peu répondu. Oui, merci. Oui, bon, oui, merci. Oui, nous vous remercions. Et effectivement, votre opinion vient à la rencontre de l'opinion de Romain Rolland, suite à la lecture de la première envoi que Panaïti lui avait fait, les premiers fragments, il avait dit, il a répondu à Panaïti Strati, vous êtes un raconteur, il faut pas se dire que vous allez écrire des romans, vous allez écrire des contes. Et donc, c'est un peu cette étiquette que Romain Rolland lui met dès son début. Et après, il va, d'une certaine manière, peut-être on pourrait dire, je ne sais pas si les autres spécialistes de Panaïti Strati sont d'accord avec mon affirmation, on pourrait dire que d'une certaine manière, Panaïti Strati, il suit les conseils de Romain Rolland. Et malgré le fait qu'il avait cette ambition d'écrire un cycle romanesque, finalement, c'est vraiment le cycle romanesque qui sera suivi dans l'objectif de l'écrivain, mais il reste un raconteur, comme vous venez de dire. Et d'ailleurs, le musée de la littérature roumaine de Bucarest, quand on catégorise les écrivains, Panaïti Strati, il est placé justement dans la salle des conteurs. Oui. Et en ce qui concerne la langue, l'expression linguistique, je crois que vous pouvez lire l'article, le chapitre publié par notre collègue Frédérica Zéphir dans le volume collectif Panaïti Istrati, littérature et société. Son chapitre a un titre très suggestif, Panaïti Istrati entre les deux. C'est exactement où Istrati est, entre deux cultures, entre deux langues. Il a voulu décrire en français, mais il a apporté des expressions roumaines considérées exotiques, des images roumaines considérées exotiques, et un autre élément est qu'après quelques années, il a complètement dissatisfait par les traductions de français en roumain. Il a décidé de traduire plusieurs œuvres par lui-même. Alors, je crois qu'il y a un transfert régulier entre les deux cultures et les deux langues. Pour lui, c'est entre deux. C'est une construction spéciale. Oui. Frédérica Zéphir, qui a participé à Rome.
Ah oui, oui, elle est avec nous. Elle est avec nous. Oui. Bonjour Federica. Oui, Madame Zéphir, Madame professeur m'a dit de Madame Barbalato et j'ai annoncé Alice Thomas. Oui. Nous avons notre ami. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci pour ce. Oui. J'avais vu une question de la part de notre deuxième spécialiste de l'ULB, si j'ose dire. On a eu la question de Stefania Gorzo, spécialiste de Panaïti Strati. Et maintenant, c'est la question de Sophie Bartels, elle aussi spécialiste de Panaïti Strati à l'ULB. Vous m'entendez? Oui, Sophie. Moi, ce n'est pas une question, mais par rapport à la langue... Attendez, parce qu'il y a un écho fou ici. Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Ça va bien. Malgré l'écho, ça va. Et maintenant? Oui, c'est mieux. Très bien. Par rapport à la langue, un sujet qui est un autre point de vue plutôt sur la question, assez intéressante, est l'utilisation de mots étrangers, et notamment du roumain. Lorsque Panaïti Strati écrit en français dans ses romans, il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. J'avais noté Mariana Ionescu, Xavier Lufin, Ina Pfitzner et Alain Schaffner qui ont abordé cette question, qui permet aussi peut-être de repenser l'écriture du français d'Istrati. Dans la mesure où même si il était largement aidé en français, il a tout de même utilisé plusieurs mots du roumain et d'ailleurs d'autres langues, je pense aussi du grec, si je ne me trompe pas, du turc, mais je ne veux pas trop m'avancer. Et il y avait aussi des interprétations vraiment intéressantes par rapport à l'objectif de maintenir des termes d'autres mots dans une œuvre où finalement, dans la mesure où il était aidé, il pouvait n'écrire qu'en français. Pourquoi avoir introduit ces termes-là? C'est aussi une question intéressante si on pensait à l'usage de la langue chez lui. Oui, oui, effectivement. On sait, Panaïti Strati lui-même fait des confessions. Il dit qu'il avait écrit avec le dictionnaire. Il n'était pas un grand maître de la langue française quand il commence à écrire. Et c'est justement intéressant cette capacité spéciale, le talent de Panaïti Strati, en fait, de sculpter, d'utiliser en fait un matériel, la langue française, qui n'était pas si bien maîtrisée, mais d'arriver à des résultats étonnants, à la fois pour les Français et à la fois pour les Roumains qui lisaient le français et qui avaient cette appréhension d'une langue française qui porte peut-être un effet d'hystérèse, disons, sémantique du roumain, langue maternelle de Panaïti Strati. Oui, effectivement. Et après, il y a encore une rencontre entre la biographie et la littérature de Panaïti Strati, comme Sophie vient de dire. Son approche était un peu transversale entre biographie et l'œuvre de Panaïti Strati, mais elle s'est concentrée principalement, finalement, sur l'œuvre. Il y a beaucoup de synergies, des connexions entre la vie de Panaïti Strati et l'œuvre de Panaïti Strati. Et finalement, il est, comme Denis vient de dire, il est réel dans sa littérature. Il n'invente pas un auteur. C'est un peu cette équivalence entre le personnage et l'écrivain, l'homme Panaïti Strati et l'écrivain Panaïti Strati. J'ai aussi d'autres questions, mais je vois une question de Federica. Alors,
Le micro, Frédérica, on ne vous entend pas. Je vais voir. Je ne sais pas si je peux. Non, on n'entend pas. Ah, maintenant c'est bon. Non, non, toujours pas. Il faut activer le micro. Alors, on n'entend pas, Frédérica, le micro. Est-ce que le micro est coupé, là? Oui. Alors, non. Là, ça va aller. Est-ce que je peux faire quelque chose? Là, il est branché, le micro, ça doit être d'après le truc. Alors... Ça ne marche pas. Frédérica, on ne vous entend pas. C'est... Je ne sais pas pourquoi. Ben, le micro n'est pas branché, sur le bout. Oui. Vérifier si on a à droite le micro. Oui, parce que chez nous, pour nous, c'est bon. Oui. Le son est bon normalement. Poți să întreb dacă are căști, că poate sau volumul pe calculator? Je vais, alors on peut écrire un commentaire. La calculatorul ei, dacă cumva volumul e activat la maxim. Că parcă am auzit un firicel de sunet. Alors. Frédéric, si vous enlevez les casques, peut-être sans les casques, ça va mieux? Je ne sais pas. Non, on n'entend pas. Dommage. Le volume, le volume est activé, Frédérica? Oui? Oui. Bien. Donc, le micro, il est activé lui aussi? Bon. Quelqu'un a une idée? Peut-être que chez elle, sur l'icône en bas à droite de la barre des tâches, il faut sélectionner le bon périphérique du micro. Sur l'icône de parlophone. Ici. Peut-être. Donc, Frédérica, si tu vas ici, non? Non, ouais, pas sur le... Non, oui, c'est enfin... les haut-parleurs, c'est pas le micro. Ah oui. Et à gauche, il y a une icône micro, peut-être chez elle aussi. À droite, ici, celle-ci. Je ne suis pas sûre du tout. Ah oui, donc si vous faites ce que je viens de faire, peut-être, Frédérica. Elle n'a pas vu. Je peux. Alors, je vais partager l'écran. Je vais partager l'écran. Et donc, vous pouvez, en fait, Frédérica, ici, vous avez le micro. Et donc, activer, vérifier si c'est activé ici. Bon, sinon, je vous propose d'écrire votre commentaire ou votre question dans le chat, dans les messages. Et alors, on va... Est-ce que vous allez débrancher les casques de l'ordinateur pour essayer sans les casques? Ça? Voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, je ne suis pas très... D'abord, je voudrais remercier, vous remercier tous pour cette très belle conférence sur Istrati et Dana pour cette présentation des relations d'Istrati avec Eliade. Ça, je ne savais pas, j'ignorais cette... Bon, ce n'est pas très développé, mais enfin, c'est quand même intéressant. D'autant plus que, en fait, Eliade est... fait partie, bon, il est beaucoup plus connu qu'Istrati, et c'est pour ainsi dire, comment dirais-je,
de savoir, enfin pour les lecteurs internationaux, je ne parle pas pour les Roumains, mais pour les lecteurs étrangers, c'est comme une référence. Ce que je voulais dire, c'était en complément sur la langue, à savoir que il y a eu effectivement plusieurs interprétations de cette importance des mots roumains dans le français, dans la trame de la langue française, de la France française. Et parmi ces interprétations, il y en a une, moi, qui m'avait beaucoup intéressée, c'était celle de Elisabeth Jeblesco, qui avait sa thèse sur Istrati, la métaphore paternelle, et qui disait que parce qu'il restitue les mots roumains, mais il les restitue dans une écriture qui n'est pas vraiment conforme à la façon dont ça devrait être écrit en roumain, pour que ça puisse passer auprès du lectorat français, bien sûr. Mais elle y voyait quelque chose comme s'il restituait dans cette transcription des mots roumains, peut-être quelque chose de l'intonation de sa mère, qui était sa mère bien-aimée et qui a été le drame, hein, le drame de sa vie, la relation qu'il a entretenue avec elle. Et donc, j'ai trouvé que cela, c'était très, très intéressant. Et puis aussi, cette idée que finalement, pour restituer ce qu'il voulait de ses racines roumaines, de la Roumanie, il n'y avait pas dans le corpus français de quoi rendre l'âme finalement de ses racines roumaines, et que donc il pouvait pas trouver des mots qui puissent rendre la spécificité, la profondeur et de ses racines. Voilà, je vous remercie. Merci Frédérica pour ce complément d'information sur la langue de Panaïti Strati. Qui est d'ailleurs fascinante, elle reste toujours. Récemment, je sais qu'il y a aussi une étude psychanalytique de la langue de Panaïti Strati, et donc cela vient à l'appui de ce que vous venez d'affirmer, que c'est en fait rendre l'enfance, l'âme de l'enfant, l'affaire présente parmi les lignes en français, tout en serrant ces mots de roumain qui viennent de la mémoire de la mère aussi. Et on sait très bien que Panaïti Strati avait une relation très spéciale avec sa mère. D'ailleurs, sa tentation de suicide arrive juste après avoir reçu la triste nouvelle qui était pour lui dévastatrice de la mort de sa mère. Donc, effectivement, le lien entre l'œuvre et la vie de Panaïti Strati à ce point, elle est vraiment très, très forte. On voit très bien. Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions, des commentaires? J'ai une question pour votre étudiant, pour ceux qui ne sont pas spécialisés sur Istrati. Quelles sont les œuvres qui vous intéressent? Quelles sortes des éléments sont familiers sur Istrati à ce moment-là? Ou peut-être Istrati n'est pas dans le centre de vos études? Je suis vraiment intéressée. Elle, qui a déjà entendu de Panaïti Strati, non? Non. Non? C'est la première fois. Alina. Alors, moi j'ai entendu parler d'Istrati, mais moi je suis roumaine.
Et ce que je voudrais savoir, moi je n'ai pas lu aucun livre, mais je voudrais lire Kira Kira Lina, si je... Oui. Si tu commences à lire, pendant que tu stresses, tu commences avec Kira Kira Lina. Avec ce livre, parce que je pense que c'est une nouvelle fantastique, et ça m'intéresse pour pouvoir la comparer avec la nouvelle fantastique de Mircea Eliade, en fait. Mm-hmm. Pour voir si c'est... Oui, pour comparer le style, en fait. Parce que je pense que c'est une sorte de récit dans le récit. C'est un peu ambigu comme chez Eliade, je pense. Je ne sais pas exactement. Je suppose. Oui, peut-être il y a le filon folklorique qui pourrait faire le lien parce que Panettista qui est inspiré d'une balade populaire avec beaucoup de variantes et beaucoup de circulation dans une zone assez vaste. Avec, on peut la comparer peut-être plutôt avec Mademoiselle Christina, Dulcea Christina, qui est de Iliade. Voilà. Oui, oui. Alors, autre réponse, c'est Lucie, non? Oh, je suis désolée. Non. Ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. mais tu avais dit que tu avais entendu parler de Panettistrati, non? Parce que j'étais présente l'année dernière au cours, mais non. Oui. Désolée. D'accord. Bien. Moi, je n'ai jamais entendu parler non plus, mais c'est pour ça que j'ai eu un secours, c'est pour découvrir. Donc, je sens pas que c'est le contenu. Voilà. Donc, on est à la découverte de Panettistrati. Bien. Alors, d'autres commentaires, questions? Voilà, moi je veux seulement remercier encore une fois, c'était vraiment un plaisir, très très intéressant. Peut-être je pense que c'est une question à la fois pour monsieur Torel et pour madame la professeure. Il s'agit de la postface que je trouvais hyper intéressante de Mircea Cărtărescu que vous avez publié dans le dernier numéro d'Aïdouk. Et ce qui m'a frappé, et je pense que Mircea Cărtărescu pour mes collègues, c'est un écrivain roumain qui est très très connu en contemporain. Et il parlait donc il a fait une postface à Kira Lina pour une édition allemande qui a été traduite en français et qui a été publiée dans le dernier numéro d'Aïdouk. Et Mircea Cărtărescu disait sur Panettistrati qu'en effet, cet écrivain n'a jamais réussi à sortir de deux pôles qui ont marqué pour toujours sa vie et l'ont marqué même après sa mort, c'est-à-dire le pôle de l'umpenprolétariat et le pôle de, on va dire, de l'errance et de ce mirage pour l'Occident. Et je pense que c'est très intéressant parce que ça vient... ça reflète un peu en effet ces correspondances dont vous nous avez parlé, où il est vu par Eliade comme ce météore qui apparaît brusquement et. Par César Petrescu qui parle de l'ingratitude, etc. Donc voilà, j'ai seulement voulu mettre un peu en avant ça. Et si vous avez des commentaires on sort peut-être un peu de vos présentations, mais si vous avez un peu des commentaires sur la déclaration de Mircea Cărtărescu sur les deux pôles qui ont influencé à jamais la vie d'Eliade, je vous serai gré parce que je trouve ça très très intéressant comme réflexion.
Il y a beaucoup de connexions. J'en ai lu le texte de Mircea Cărtărescu, mais je sais qu'il est intéressé d'Istrati et je crois que pour lui et pour autres auteurs contemporains, il y a des sujets qui restent symboliques, pleins de force. Alors la figure de Le Haiduc est entre ce sujet, alors les figures féminines, comme celle de Florea, Floricica, Floarea Codrilor, elle aussi bien, il captive elle, le public. Et je crois qu'il y a quelque chose en plus qui intéresse les écrivains roumains contemporains. C'est les écrivains français ou roumains ont apprécié dans le cas d'Istrati, c'est la force et la sincérité de l'écriture. Alors ça se combine avec le sujet. Le haïduc, le récit, il y a quelque chose qui a été exploré et qui mérite notre attention. C'est la connexion entre la ligne cinématique de ces récits. Ces récits sont comme un film. Nous pouvons visualiser les images. Les récits ont cette dimension cinématographique. En plus, les récits, je crois que la dimension biographique a contribué à cette expression particulière, parce que Denis a mentionné et beaucoup de personnes, personnalités littéraires ou simples lecteurs ont observé dans le cas d'Istrati, la sincérité vient de la vie. La vie qu'Istrati décrit, nous ne savons pas si la réalité a été telle, mais sa manière de présenter le sujet a cette force sur nous. La force est extrêmement poignante. Oui, merci. Denis, si vous voulez ajouter un complément de réponse. Oh ben oui, pour me mettre en valeur. Qui est la dame qui a dit qu'elle a lu le Haïduc, le dernier Haïduc? Comment elle s'appelle? Stefania Gorzo. Stéphanie. Oui, elle est une amie de Panaitis. Mais oui, je sais, mais elle est spécialiste. Mais oui, mais alors je ne l'avais jamais vue. Et alors avec le masque, c'est pas facile. Voilà. Bon, oui, le texte de Cărtărescu, il est intéressant, il est très bien. Lorsque nous en avons eu connaissance en Roumanie, grâce à Mugur Popovici, après nous avons établi un contact avec l'éditeur pour avoir l'autorisation de le reproduire. Et ensuite j'ai travaillé, ça a été un peu dur, j'ai travaillé avec Laurine Kell, la traductrice, pour mettre le texte au point. Parce qu'il y avait plusieurs choses à arranger. Il y avait par exemple des références qui ne collaient pas, que les Français ne comprenaient pas. Par exemple, quelque chose de il faut expliquer aux Français
qui est à Lima, par exemple. En France, on connaît les contes des mille et une nuits, on connaît la princesse Scheherazade, mais on ne connaît pas du tout à Lima. Alors, il faut donner des explications. Et alors, le texte de Castarescu, pour moi, a ceci d'intéressant, et ça se rapproche d'un prolétariat ou d'un lumpen prolétariat, c'est que dans la vie d'un auteur, comme Castarescu, il y a des tâches obligées. D'ailleurs, son recueil de textes, puisque ce livre en roumain a été publié sous le titre de Crayonul de Templarie. Donc, c'est le crayon du charpentier. Et c'est un titre qui est très joli, c'est-à-dire qu'il se considère comme un artisan et il fait des... Bon, il gagne un peu sa vie en donnant des textes pour des préfaces, des postfaces. C'est des articles un petit peu alimentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que pour autant, le texte de Castarescu, c'est une œuvre, enfin c'est un texte, un court texte de commande. C'est vraiment un travail d'artisan, mais il est très sensible. C'est-à-dire que vraiment, il vaut la peine d'être lu et reproduit. Et il n'apporte rien de nouveau sur les faits à un lecteur istratien, mais il est sincère, il est profond. Et vraiment, ça vaut la peine d'avoir l'avis d'un grand auteur comme Mircea Castarescu, dont je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est le prix Nobel que les Roumains espèrent toujours. Et je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais c'est pour donner la dimension du personnage. C'est vraiment quelqu'un de très important, de très profond, et il a vraiment lu Istrati de façon intéressante. Mais voyez, le terme, par exemple, de lumpen proletariat, peut-être que Frédérica me donnera des précisions. Pour moi, c'est un terme qui n'est pratiquement pas compris en français. C'est quelque chose qui est pourtant, ça peut se traduire par sous-prolétariat ou quelque chose comme ça, mais lumpen prolétariat, apparemment l'emploi en roumain, l'emploi en allemand bien sûr, mais il n'est pas compris chez nous. Et c'est bien dommage, parce que quand on a reproché à Istrati, qui a été un compagnon de route du Parti communiste et des partis de gauche, on lui a reproché d'avoir changé, d'avoir tourné kazakh, c'est-à-dire d'avoir changé de camp, on lui a reproché d'être un renégat. Et en réalité, on n'a pas compris que sa foi et ce quoi il croit, ce n'est pas la lutte des classes, ce n'est pas la victoire du prolétariat. C'est quelque chose qui est complètement en dehors de son univers. Il se révolte, il s'engage sur un coup de tête, mais il n'est pas là pour faire de la au sens profond, il n'est pas là pour faire de la politique, c'est pas quelque chose qu'il comprend. Et celui qui avait, je l'ai dit à Dana Radler une fois, celui qui avait porté un très beau jugement sur Istrati, c'est Alexandru Oprea. Il a dit qu'Alexandru Oprea a dit qu'Istrati était représentatif de ce qu'il appelait le syndrome, comment est-ce qu'on l'appelait, Dana, le syndrome de celui qui ne peut créer qu'avec un feu intérieur. C'est ça m'échappe. Enfin, c'est ce que disait notre grand philosophe Bachelard. Il disait Istrati est représentatif de ce syndrome, de celui qui ne peut faire quelque chose que sous la pression intérieure. D'ailleurs, dans ses livres, quand il se raconte, il y a partout des chaudières. Il faut remarquer aussi que tout simplement, le Kazan, que ce soit Kazansaki ou Kazanski, son ami Michael, tout ça, ce sont des mots qui veulent dire chaudière, dans tout, et pas seulement
en roumain ou en grec, dans toutes les langues du bassin, ça signifie chaudière. Donc il est vraiment né sous le signe de la chaudière et pas du tout sous le signe de la raison en réalité. Il n'y a rien de plus étonnant que Istrati qui fait sa conférence à Athènes avec Kazantzaki, et ils disent qu'ils vont parler de socialisme et ils pensent que c'est bien, que c'est inéluctable parce que c'est une réalité scientifique. Il n'y a rien de plus drôle que de lire ou d'entendre Istrati parler d'idéologie en disant que c'est une réalité. L'avènement du socialisme, il est inéluctable parce que c'est une tendance, et c'est inévitable et c'est une réalité. C'est une réalité scientifique. Alors ça c'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose d'amusant. Et les discours d'Athènes, d'ailleurs, ça a soulevé de l'enthousiasme. Ils ont été emprisonnés pour ça, mais bon, ça a été très bien. Mais Cartarescu, en tout cas, son texte, je suis vraiment d'accord avec vous, son texte n'est pas indifférent. On a eu quelques petites mises au point à faire, mais vraiment, il est très bien. Et on remercie Cartarescu. Oui, merci beaucoup. Merci, Denis. Je vois le temps qui avance et je suis sûre et certaine qu'il y a encore peut-être beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, mais peut-être on va garder pour une prochaine rencontre. J'espère que ces conférences Panaïti Strati deviennent une tradition du cours et on va avoir l'occasion de se rencontrer de nouveau l'année prochaine ou plus tard, sinon plus tôt encore. Donc, je veux dire quelque chose. Vous m'entendez là? Oui, oui. Oui. Oui, le syndrome dont parle Alex Oprea, c'est le syndrome d'Empédocle. C'est très curieux, mais très précis. Et c'est le syndrome de celui qui ne peut agir et faire quoi que ce soit sans la pression intérieure. C'est vraiment quelque chose. Et c'est Oprea qui a dit ça. Et je pense qu'il a vraiment, raison. C'est le seul à avoir dit ça. Et donc, Empédocle. Empédocle. Alors, oui. on finit notre conférence aujourd'hui sur l'Empédocle. Mais on peut tous remercier peut-être aussi Panaïti Strati qui nous a offert l'occasion de devenir les amis de ce haïdouk de la littérature française ou de la littérature roumaine, ou bien on peut trouver une autre étiquette, un haïdouk de la littérature du monde, parce que finalement on arrive à parler de Panaïti Strati à travers le monde, à Rome avec le colloque organisé par Béatrice, à Bruxelles avec notre réunion aujourd'hui, à Paris avec le Foire du Livre qui va bientôt, et à Bucarest, à Brăila en Roumanie, donc un peu partout. Un grand merci, et c'est mon devoir aussi, et je vais vite partager l'écran pour vous montrer l'affiche de notre rencontre, et vous voyez c'est l'Université libre de Bruxelles, mais c'est aussi le département de langue et lettres que je dois mentionner qui soutient l'organisation de ces conférences, les centres de recherche Ladisco et Félix, l'ambassade de Roumanie au Royaume de la Belgique, l'Institut culturel roumain et bien évidemment l'Institut de la langue roumaine qui soutient l'existence du lectorat de roumain à l'Université libre de Bruxelles. Encore un grand merci. Et bien sûr, comme je dis chaque fois et je le répète encore aujourd'hui, je remercie mes étudiants, parce que on est là pour vous d'abord, et c'est pour vous qu'on a l'occasion de créer ces belles discussions, ces belles conversations. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Je vais arrêter l'enregistrement.
beaucoup.